On va faire l'ombre sous la patte. Voilà. Donc, entre le calque de réglage qui est sur la voiture, et ses ombres. Entre le calque de réglage qui est sur la voiture et l'éléphant, je vais créer un calque vide. Je vous le montre rapidement. Parce que évidemment, c'est important, les ombres qui sont créées par le photomontage. Donc je crée un calque vide. Je prends le pinceau. Je dessine en noir, à bord flou. L'ombre de la patte sur la voiture, voilà. Et là, c'était vraiment du noir à 100% d'opacité. Et puis, je vais modifier l'opacité du calque. Je vais modifier l'opacité de ce calque pour évidemment le faire plus discret. Voilà. Vous voyez, ne fût-ce que ça, ça augmente le réalisme de la patte posée sur la voiture.